Nul de chez nul. Tu rentres d'Abidjan, tu ne sens pas tellement que l'esprit de mort est en train de tuer les gens d'Abidjan. Bonne nouvelle qu'on doit annoncer en 2021. On n'a même pas encore atteint le 7. On n'a même pas encore atteint le 10 janvier. C'est une icône de la communication en Côte d'Ivoire qui s'en va. Anaconda n'était pas n'importe qui. Anaconda n'est pas allé faire école de journaliste pour devenir journaliste professionnel. Anaconda te pose les questions selon ton cœur. Il n'était pas méchant. Parce que les gens après vont commencer à parler. Ou est-ce que c'est pas Dieu qui l'a frappé? Oh, il humiliait les gens. Non! Tout ce que vous voyez, c'était des scénarios. Tout était des scénarios. Il n'avait rien de méchant. Tu finis l'émission avec Anaconda et dis, mais tu n'as pas parti comme ça? Hein? C'est vous les boss? Simple. Pourquoi ce sont les bonnes personnes qui vont si vite, Seigneur? Pourquoi les maudits, ceux qui sont des tueurs, des voleurs, et vivent longtemps? Ah! Ah, Seigneur. Ah! C'est-à-dire, tu peux être connu et puis une petite maladie peut venir t'emporter. Une petite maladie. On soigne. On traite. On dit c'est pas ça. Après c'est ça. Après c'est pas ça. Après c'est ça. Oh, tu as un cousin. Tu as une tante qui est couchée au village. Parce que ce n'est pas son enfant qui est star. Parce que ce n'est pas son enfant qui a eu bac. Parce que ce n'est pas son enfant qui a voyagé. Il ne doit pas réussir. Et on te livre. Non, Anaconda n'est pas mort comme ça. Non. Non. Je ne suis pas prophète venu de Dieu, mais dit non. 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 Pas mourir comme ça. C'est vrai que nous tous on appelle à mourir, mais à un moment donné, ça suffit. On a des gens qui sont profondément méchants dans nos familles. Retenez ça. C'est pour cela, quand tu es en 2024, là, pardonnez, écoutez-moi. Hein. Je ne suis rien, je ne suis personne pour vous parler. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Père son âme, faites attention. Je l'ai dit. Qui se rappelle, je l'aurais dit, 2024 n'est pas une bonne année. Les pasteurs qui passent sur les années, cette année, c'est ton année, c'est pas une bonne année. 2024 est une année de la mort. Faites attention. Je vous en conjure. Je vous en supplie. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. 2024 a pardonné. Votre vie, Jésus. Votre vie, la prière. Votre vie, le jeûne. Soyez cachez-vous. Nous sommes dans un monde où les gens sont profondément méchants pour mieux vivre, les gars. Le direct commence à être signalé. Le direct commence à être signalé. Mathieu, répartage le direct sur toutes les pages. Le direct commence à être signalé. Je commence à recevoir les notifications. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Le direct commence à être signalé. Cette année n'est pas une bonne année. Et voici des signes qu'il annonce. Cette année, des grands baobabs vont tomber. Des grandes entités vont tomber. En 2023, le monde de la sorcellerie et des mystiques ont pris leur équivalent de sang pour contrôler cette année. Guerre en Ukraine, guerre au niveau de, comment on appelle ça, de Gaza. Tremblement de terre au niveau, comment je pourrais le dire, du Maroc. Ils ont pris leur équivalent de sang. Les mystiques vont frapper cette année. Les mystiques vont frapper cette année. Je vous demande pardonner. La seule personne qui est capable, nous là, de nous protéger là, on ne connaît personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Si en 2024, ta vie doit être une vie de désordre, une vie où tu mougou, tu es en train de... Tu vas mourir. 2024 est une année de la mort. Cachez-vous. Prenez le soin de vous cacher. C'est pas tout, on poste sur les réseaux sociaux. On ne vient pas sur les réseaux sociaux. Tu as été là, tu as mangé ça, tu as tenté de te snapper. Il y a des gens qui te regardent. Ta
joie est une insulte pour eux. Ton bonheur est une insulte pour eux. Ta réussite est une menace pour eux. Fais-en attention. Je parle en tant qu'un père. L'homme qui vous parle à 45 ans. Je ne suis pas un enfant de 28 ans, de 29 ans qui vous parle. J'ai perdu ma femme. Donc je sais ce qu'on appelle la douleur de la mort. J'aimerais dire Yako à la famille d'Anaconda. Yako à sa première famille, je peux le dire, qui est la télévision RTI3. Je vous en prie. Anaconda, on doit l'honorer. Anaconda, là, je vous en prie. Je vous en prie. Il avait un handicap. Il faut que là où il se trouve, il puisse dire effectivement, les gens m'aimaient. Si on doit cotiser, je vous en prie, donnez, montrez, donnez la possibilité aux Ivoiriens, avec un petit 1000 francs, un petit 100 francs, un petit 200, ils vont cotiser. S'il avait une veuve, s'il avait des enfants, on veut savoir. N'allez pas jeter Anaconda dans un tombeau comme ceci, et puis ses enfants demain, on ne sait pas comment ils vont devenir. Notre papa était aimé, et puis on a fait. Non! Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Sinon, vous et moi, ça sera la guerre. Et je n'ai jamais perdu une guerre. Faites pas ça. Mori le mot là. Mori. On se connaît. Anaconda, c'était notre gars. Al-Mustapha, Anaconda, c'était notre gars. Il ne va pas partir comme ça. Aujourd'hui, c'est le conseil d'Apoutchou. Je tiens déjà à dire merci à Apoutchou. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu vas rendre hommage. Que ce soit DJ Arafat, que ce soit Anaconda. Aujourd'hui, là, il faut les honorer. C'est ton jour. J'ai mal dans mon cœur. Parce qu'à chaque fois, que tu es en train de te battre pour pouvoir avancer, les gens ne regardent pas tes années de souffrance. Mais le jour où tu commences à manger, c'est là que tu deviens ennemi des gens. Pourquoi quand je souffrais, je n'étais pas votre ennemi? Pourquoi quand je pleurais, je n'étais pas votre ennemi? C'est quand je mange maintenant, je deviens votre ennemi? Mais pourquoi les Africains sont si méchants? Oh Seigneur, apporte-nous ta protection, Jésus. Père, on n'a que toi seul, Jésus. On pêche, nous sommes tous des pécheurs. Mais Seigneur, on n'a que toi seul pour 2024. L'année commence, papa. On n'a que toi seul. Anaconda a fait le mal à qui? Je vois même des personnes souvent sur le plateau. Bon, on essaie souvent de taquiner Anaconda. On va te frapper. Oh, tout ça, c'était la comédie. Pour donner de l'audience à la télé. Anaconda n'est plus là. Anaconda n'est plus là. Anaconda n'est plus là. Il y a qui va me taquiner maintenant sur le plateau télé? Il y a qui va essayer de me faire des punches? Il y a qui? Il était le seul qui pouvait me défier. Anaconda, tu nous laisses à la veille de la canne, tu t'en vas comme ça, et tu nous dis au revoir. Comme ça, tu t'en vas, sans même nous dire au revoir. On se lève le matin, tu es parti. Tu es méchant, Anaconda, hein, tu es méchant. Tu es méchant. Si tu n'es pas giflé au ciel quand il te trouve, tu es méchant.